Ruth, tu as laissé la porte ouverte. Ruth? Mais où es-tu? T'es encore couché? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ruth? Oui, allô? Qui est-ce? C'est moi. Où étais-tu? Ben, pourquoi cette question? J'étais en ville, voyons. Enfin, d'où est-ce que tu m'appelles? L'un de nous devait aller chercher Ruth. Tu es chez elle? Oui. Et elle est dans sa chambre. Elle est morte. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai trouvée allongée sur son lit avec un coussin sur la tête. Quelqu'un l'a tuée. Elle a été étouffée. Tu es toujours là? Oui, je... Oui, je suis toujours là. Alors pourquoi tu ne dis plus rien? Parce que je... Parce que j'ai beaucoup de mal à accuser le coup. Est-ce que nous risquons d'avoir... quelques problèmes? Moi, j'en ai un, en tout cas. C'est moi qui l'ai trouvée. Est-ce que tu peux venir? Oui, j'arrive tout de suite. Je suis venu chercher Ruth. Je lui ai téléphoné et elle m'a demandé de l'attendre au café. Mais elle n'est pas venue. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est Kelp qui m'a téléphoné. Il est dans sa chambre. Il a trouvé Ruth allongée sur son lit. Elle est morte. Quoi? Non, ne dis rien. Écoute-moi d'abord. Ruth a été assassinée. Est-ce que quelqu'un vous a vu? Non. Pourquoi est-ce que tu l'as amené avec toi? Il était en bas, il sortait du café et il attendait Ruth. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi le regardes-tu ainsi? Tu ne comprends donc rien. La situation dans laquelle nous sommes le concerne aussi. De quelle situation est-ce que tu parles? Combien de temps est-ce que tu as attendu Ruth au café? 40 minutes. Alors, il y a 40 minutes, elle vivait encore. Je peux la voir? Elle s'est certainement défendue.
Ce coussin était sur son visage. Alors repose-le là où tu l'as trouvé. Où est-ce que tu vas ? Me chercher quelque chose à boire. Non, mais tu es fou ? Est-ce que tu veux qu'on trouve tes empreintes ? De toute façon, ils en trouveront partout. Et moi, il faut que je boive. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut faire venir la police, mais est-ce qu'on doit l'appeler nous-mêmes ? C'est moi qui l'ai trouvé. Je suis dans suspect. Mais toi, au fait, où m'as-tu dit que tu étais ? J'étais en ville. On te demandera où tu étais à l'heure du crime. Et toi, tu étais ici, dans cet immeuble, il y a 40 minutes. Tu étais en bas, tu buvais un café. À votre avis, qui a pu l'assassiner ? Et toi, est-ce que tu as une idée ? Non. Je ne comprends pas pourquoi on l'a tué. Il n'y a aucune raison. Et vous, vous avez une idée ? Ah, on a reçu un appel sur le 110. C'était un appel anonyme, au sujet d'un meurtre. Intervalle des trois chaînes. Un instant, s'il vous plaît. Voulez-vous patienter ? Madame la directrice, j'ai un appel de la police criminelle de Munich. La police criminelle ? Oui, passez-les-moi. Oui, ici Madame Wolfen. Je suis la directrice de l'internat. Lona Winter ? Oui, elle est élève chez nous. Non, pour l'instant, ces demoiselles font du sport. Mais de quoi s'agit-il ? Mon Dieu. Et quand ? Oui, je vais aller le lui dire. Oui, bien entendu, je vais m'occuper de ça. Rappelez-moi votre nom. Derek. Oui, c'est entendu. Et que s'est-il passé ? La petite Winter. Sa sœur vient d'être assassinée. Elle n'a plus de parents, il ne lui restait que sa sœur. Elle l'aimait. Elle tenait à elle. Elle y tenait beaucoup. Et c'était cette sœur qui lui payait ses cours. C'était bien, bravo les filles. Nous avons un problème. Lona Winter ne savait pas vraiment ce que faisait sa sœur, ni comment elle gagnait son argent. Cet argent avec lequel elle payait cette école. Je la connaissais. J'ai parlé avec elle. Elle se tenait là où vous êtes actuellement. Elle disait, vous savez, chère madame, est-ce que je fais une erreur si je préfère écouter ma conscience au lieu d'écouter ce que me dicte ma raison ? Alors je lui ai demandé quelle chance avait la raison face à la conscience. Elle est plus intelligente, m'a-t-elle dit. Elle trouve que c'est mal de se sentir à l'aise dans une société telle que celle dans laquelle nous vivons. Je suis la maîtresse de nombreux hommes riches qui se sentent à l'aise dans cette société qui est la leur. Et ce sont ces riches messieurs qui ont payé l'internat de Lona Winter. À présent, ce jeune être fragile va devoir affronter la disparition de sa sœur, mais aussi apprendre la vérité à son sujet. Qui a tué ma sœur ? Personne ne le sait. La police vient de commencer l'enquête. Le père Kühne va te ramener à Munich. Il restera auprès de toi aussi longtemps qu'il faudra.
Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Lona. Pouvez-vous m'expliquer? Avez-vous la moindre explication? Assassinée? Dans quel monde vivons-nous? D'habitude, vous savez tout. Alors dites-moi dans quel monde on vit. Êtes-vous capable de me l'expliquer? Lona. Vous ne pouvez rien expliquer du tout, inutile d'essayer. Reconduisez-le. Stéphane, la sœur de la victime. Bonjour. Lona Winter, c'est ça? Oui. J'aimerais vous présenter mes condoléances. Je m'appelle Kuhn, je suis prêtre. Bonjour, mon père. Bonjour. J'assure l'éducation religieuse à l'internat. C'est moi qui ai amené Lona. Ah oui. Puis-je vous parler un instant, s'il vous plaît? Vous voulez bien attendre ici? Vous voulez boire quelque chose? Un café, peut-être? Non. Non, merci, je n'ai besoin de rien. Je vous en prie, mon père, asseyez-vous. Je vous remercie. Bien. Parlez-moi un peu de cette jeune fille, je ne la connais pas du tout. Elle est, comment dire, très joyeuse, ouverte, honnête. C'est une jeune fille qui croque la vie à pleines dents. Du moins, elle était comme ça jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a plus de famille, elle n'a avec sa sœur, n'est-ce pas? Oui, juste sa sœur. Et elle aimait cette sœur par-dessus tout. Oui. Vous connaissiez sa sœur? J'ai appris dernièrement qui elle était exactement et ce qu'elle faisait. Elle se prostituait. Ah. Oui, mais je ne crois pas qu'on emploie ce mot-là dans les milieux qu'elle fréquentait. Pourtant, elle était payée. Et sa sœur profitait de cet argent sans le savoir. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il faille le lui apprendre? Eh bien, là, le problème... Il nous est impossible de l'éviter. Je vous en prie, mon père, suivez-moi. Merci. Dites-moi, mademoiselle Winter, est-ce que vous pouvez rester ici quelques jours? Oui. Où voulez-vous séjourner? Au fait, on vient de lever les scellés de l'appartement de votre sœur. Est-ce que vous voulez vous installer là-bas? Vous pouvez le faire, si vous voulez. Oui. Ce oui veut-il dire que... J'irai m'installer là-bas. C'est bien. Que comptez-vous faire, mon père? Je vais prendre une chambre à l'hôtel pendant quelques jours. Vous pourrez me joindre à tout moment. Bien. Donc l'appartement de votre sœur se trouve à... Non. Je vais vous conduire. Quand avez-vous vu votre sœur pour la dernière fois? Il y a environ un mois. C'était à Munich? Non. La plupart du temps, elle venait me chercher à l'internat et nous faisions un petit voyage ensemble. On allait souvent à Venise. Elle aimait aller à Venise. Oui, elle disait, j'aime Venise parce que c'est une ville pleine de tristesse. Une ville pleine de tristesse, d'accord. Vous a-t-elle dit pourquoi? Non.
Est-ce que vous êtes déjà venu ici? Oui. Je suis venu plusieurs fois. Où? Dans la chambre. Comment est-elle morte? Elle est morte étouffée avec un oreiller. Nous ne savons pas encore qui l'a tuée et nous ne savons pas pourquoi. Elle avait beaucoup de relations, d'excellentes relations. Et compte tenu de l'importance de son cercle d'amis, ça ne facilite pas beaucoup l'enquête. Est-ce que vous avez pitié de moi? Oui. Alors dites-moi toute la vérité. Parce qu'il y a des choses que je ne connais pas. Je sais qu'elle ne me disait pas tout. Ce que vous ignorez concerne sans doute le cercle d'amis de votre sœur. En effet, votre sœur se faisait entretenir par plusieurs amants. Si je vous en parle aussi directement, c'est parce que ce fait joue un rôle extrêmement important dans la recherche du meurtrier. Donc, l'un de ses amants pourrait être celui qui a tué ma sœur? En effet, c'est une des probabilités. Avez-vous la liste de ses amants? Nous en connaissons quelques-uns, nous les avons interrogés, mais nous n'avons obtenu aucun résultat. Est-ce que vous pouvez me donner leur nom? Non, pourquoi? Parce que j'aimerais les connaître. Je pourrais les remercier. Ces personnes m'ont quand même payé mes études, n'est-ce pas? Oui, oui. Puis-je venir vous voir demain? Vous me donnerez les noms? Vous pouvez venir, ça me fera plaisir. Oui, venez, nous pourrons bavarder un instant. Je vous remercie, mon père, d'avoir bien voulu m'attendre après mon appel. Oui, j'étais très inquiet. Vous disiez qu'il voulait avoir la liste des amants, mais voyons pourquoi. Elle veut leur rendre visite. Elle est seule dans l'appartement? Ça doit être très dur. Thank you.
Allô, oui, j'écoute. C'est moi, Lona. Le père Kuhn. Je voulais seulement savoir comment vous alliez. Savoir comment je vais? Comment devrais-je aller? J'ai dormi dans le lit dans lequel on a tué ma sœur. Vous croyez que vous pourrez m'aider? Non, vous ne pourrez pas. Alors faites-moi plaisir, d'accord? Retournez à l'internat. Lona, je reste encore quelques jours. Et si vous le souhaitez... Non, je ne le souhaite pas. Vous pouvez faire une prière pour ma sœur et pour moi. Si vous croyez que ça pourra nous aider. Est-ce que vous le croyez? Oui, Lona, j'en suis persuadée. Que Dieu vous protège. Qui est là? Ouvrez, Lona, c'est moi, Derrick. Bonjour. Bonjour, est-ce que je peux rentrer? Je vous en prie. Merci. Vous venez sans doute voir comment je vais? Non, je ne viens pas voir comment vous allez parce que je me doute que vous n'allez pas bien. Je vais vous dire comment je vais. Comme quelqu'un qui ne comprend plus rien. Mais qui sait également que ça ne peut pas continuer ainsi. Est-ce que vous savez ce que j'ai trouvé? Une cassette musicale. Avec quelques morceaux plus tristes les uns que les autres. Elle allait dans les villes tristes. Elle écoutait de la musique triste. Vous êtes venu me chercher. Pourquoi? Eh bien, vous m'aviez dit que vous vouliez faire la connaissance des amants de votre sœur. Nous avons trouvé leur liste dans divers carnets lui appartenant. Bien. Nous allons. Un chef d'entreprise réputé dans la région, distingué, cultivé, qui accorde de l'intérêt aux bonnes manières. Cet homme s'appelle Kelp et je tiens à vous signaler que c'est un homme marié. Sa femme connaissait votre sœur. Elle invitait toujours la maîtresse de son mari quand elle organisait une réception. Ce sont des gens charmants. Vraiment très gentils, oui. Et d'après ce que j'ai pu apprendre, votre sœur se sentait très à l'aise dans ce milieu. Elle a toujours été bien reçue. Elle aimait les fréquenter. L'inspecteur Derrick est arrivé. Un instant, s'il vous plaît. Lona, bonjour. Je vous connais depuis longtemps. Votre sœur me montrait très souvent des photos de vous. Chaque jour, elle me donnait de vos nouvelles et me parlait de vos progrès en classe. Vous savez, je n'ai pas connu cela lorsque j'allais moi-même à l'école. La mort de votre sœur a été pour moi et pour ma famille un événement horrible qui nous a bouleversés. Veuillez m'excuser, je suis encore sous le choc. Mais je vous en prie, entrez. Voulez-vous boire quelque chose? Madame Steinhoff? Non, merci, je ne veux rien. Je vois que vous êtes très bouleversée. Et croyez-moi, nous tous, nous le comprenons très bien. Nous tous? Oui, je veux parler de ceux qui ont connu votre sœur. Qui l'ont bien connue? Oui, qui l'ont bien connue. Est-ce que je peux vous parler en tête à tête? Oui, bien entendu. Vous voulez bien nous laisser seuls quelques minutes? S'il vous plaît. Cette jeune fille semble très perturbée. Mais elle l'est, cher monsieur. Est-ce qu'elle s'inquiète pour ses études? Elle n'a aucune inquiétude à avoir. Je continuerai de payer comme je l'ai fait auparavant. C'est une question d'honneur pour moi. Est-ce que vous avez connu ma sœur? Oui, je l'ai bien connue. Nous nous sommes rencontrés souvent. Vous vous êtes rencontrés où? Oh, à diverses occasions. Est-ce qu'on a fixé la date de l'enterrement?
Je n'ai pas encore posé la question. Vous voulez y aller? Oui, j'en ai bien l'intention. J'aimais beaucoup votre sœur, vous savez. Avez-vous l'intention de retourner à l'internat? C'est vous qui faisiez les virements sur mon compte? Oui, c'était moi. À l'avenir, ça ne sera plus nécessaire. Mais pourquoi? Il n'y aura pas de contrepartie pour cet argent. Puis-je rester dans l'appartement de ma sœur? Je suppose que c'est vous qui payez également. Vous pourrez certainement rester là-bas autant que vous voudrez. Je compte rester jusqu'à ce que je sache qui a assassiné ma sœur. Lola, venez, je vous prie. Oui. Oui, je vais le lui demander. Un petit instant. Je disais à Monsieur Derrick qu'il serait bien qu'on puisse se connaître un peu mieux. Puis-je vous inviter à nous rendre visite? Je suis avec ma femme au téléphone. Elle vous adresse toutes ses condoléances et souhaite vous recevoir ce soir. Vous voulez m'inviter chez vous? Que dois-je répondre à ma femme? Dites-lui que j'accepte volontiers. Anna? Oui, elle veut bien venir. Oui, c'est d'accord, alors à ce soir. J'ai appris que vous logiez chez votre sœur. Je vous ferai envoyer un chauffeur. Non, 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 ce sera tout à fait inutile. Je pourrai la conduire sans problème. D'accord? Ah, vous serez obligé de m'inviter, moi mais aussi. Je ferai avec plaisir, monsieur l'inspecteur principal. Vous connaissez le chemin? Oui. Je vous en prie. D'accord. Elle a une sœur charmante, vous ne trouvez pas? Oui, je trouve aussi. Vous parlez un peu avec elle. Elle m'a demandé si c'était moi qui m'occupais des virements. Vous lui avez dit qu'il n'y avait rien de changé, n'est-ce pas? À moins qu'elle ait pris d'autres dispositions. Je crois qu'elle n'a qu'une chose en tête. Trouver qui a tué sa sœur. J'ai eu la vague impression qu'elle me regardait comme si c'était moi. Pourquoi l'avez-vous invitée? C'était pour lui montrer à quel point nous aimions sa sœur. Pourquoi ce regard? Je pense seulement qu'on n'aurait pas dû aller jusque-là. Je ne sais pas ce que tu sais, mais quoi que tu saches, garde-le pour toi. Bonsoir. Je vous remercie d'être venu. Je dois vous dire que vous êtes vraiment ravissante. Bienvenue dans cette maison. Bonsoir, Monsieur Derrick. Bonsoir, Monsieur Calvin. Cette soirée est la vôtre, Lona. Oui, bien sûr, bien sûr. Anna? Je te présente Lona, la sœur de Ruth. Lona, je vous présente ma femme. Oh, je suis ravie de faire votre connaissance, bien que ce soit dans de mauvaises conditions. Soyez la bienvenue dans notre maison. Cette maison dans laquelle votre sœur faisait, pour ainsi dire, partie de la famille. Nous l'aimions beaucoup. Est-ce que je me trompe? Non, non, tu ne fais que dire la vérité. Excusez-moi, bonsoir, Monsieur Derrick. C'est vous qui avez amené Lona? Oui, oui, je l'ai fait avec plaisir. Où habitez-vous? Est-ce que vous êtes bien installé? Elle habite dans l'appartement de Ruth. Oh, ainsi vous êtes là-bas? Oui, le juge a fait lever les scellés, mais je ne te l'avais pas dit. Oh, non, tu avais oublié de m'en parler. Mais si toutefois il vous était désagréable de vivre là-bas... Je connais un excellent hôtel dans lequel nous envoyons tous nos clients. Ce ne serait pas un problème. Non, merci. Je préfère l'appartement de ma sœur. Est-ce que vous connaissez l'appartement de ma sœur? Ah, oui. C'est moi qui l'ai aidé à le décorer. C'est vous qui l'avez aidé à le décorer? Vous aidiez la maîtresse de votre mari? Oui. Croyez-moi, Lona, la terre ne s'arrêtera pas de tourner pour autant. Vous avez bien sûr entendu parler de mes relations avec votre sœur. Est-ce qu'elle connaît les conditions de vie de sa sœur?
Oh oui, oui, nous lui avons tout raconté. Nous lui avons dit que sa sœur avait plusieurs amants, bien entendu. Puis-je rajouter quelque chose avant que des sentiments faussés par les préjugés ne viennent s'installer? Je le ferai en présence de ma femme. Tu permets? Oui, bien entendu. Alors écoutez-moi bien, Lona. Ruth avait des relations avec d'autres hommes que moi. C'était une femme tout à fait inhabituelle. Elle avait le don exceptionnel de ménager ses relations. Les soi-disant tabous ne l'intéressaient pas du tout. Et moi, enfin, nous non plus. Nous avons tous une approche de la vie qui ne ressemble en rien à l'approche que pourrait avoir le commun des mortels. Les relations sexuelles n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient. Elles font partie de la vie moderne, une vie dans laquelle les obligations n'ont plus aucun rôle. Ma femme et moi sommes d'accord là-dessus, et le sujet est clos depuis longtemps. Et ça veut dire que les libertés que je prends, elle peut les prendre aussi. On en accepte les conséquences. Ah, on a encore de la visite. Anna, s'il te plaît, j'ai invité un homme qui lui aussi figure sur la liste des bons amis de Ruth. La liste qu'elle a elle-même rédigée. Bonsoir. Bonsoir. Il ne m'est pas difficile de deviner qui vous êtes. Je suis sûr que vous êtes Lona. Nous nous connaissons déjà, monsieur Derrick. Oui, bonsoir, monsieur Vinet. Bonsoir. Aviez-vous déjà entendu mon nom? Je m'appelle Binert. Jacob. Jacob Binert. Votre sœur et moi, nous avons souvent, très souvent, parlé de vous. Il est fort probable que nous sachions plus de choses sur vous que vous ne pouvez en savoir sur nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez mise au courant de la situation? Lona doit tout savoir de nos rapports avec sa sœur. Oui, je lui ai déjà tout expliqué. Bien. Lona, je dois dire que... j'aimais beaucoup votre sœur. Elle avait le don exceptionnel d'attirer les gens comme un aimant. Elle était un bienfait pour chacun d'entre nous. Elle était le rayon de soleil de nos existences. Un véritable bonheur. C'était, comment dire... Enfin, Ruth était une femme... complètement ouverte au monde. Une femme qui n'avait absolument rien à cacher. Elle croquait la vie. Où est-ce que vous êtes installée, Lona? Est-ce que nous pouvons vous être utiles à quelque chose? Elle vit dans l'appartement de Ruth. Qu'est-ce que tu dis? Et qui l'a autorisée à faire ça? Elle aurait très bien pu s'installer chez vous ou chez nous. Nous avons tous une chambre d'amis. Qu'en dis-tu? Je n'ai rien contre si elle est d'accord. C'est sans doute mon fils qui arrive. Je lui avais dit que Lona devait dîner chez vous ce soir. Il voulait absolument la connaître. J'ai le plaisir de vous présenter mon fils Hans, Lona. Bonsoir, excusez-moi. Il connaissait également Ruth. Quand êtes-vous arrivée? Hier. Elle est arrivée hier après-midi. Elle est installée chez vous? Non, elle... Elle s'est installée dans l'appartement de sa sœur. Vous n'allez pas rester là-bas? Je veux dire, vous allez retourner à l'internat. Excusez-moi, ça ne me regarde pas du tout. Je ne peux m'empêcher de me souvenir de ce que disait Ruth. Elle disait que vous aviez votre monde, un monde qui vous ressemblait et auquel vous apparteniez. Nous savons tous que vous êtes une bonne élève. Oui, il a raison. Nous ne voyons aucun problème à vous assurer que tout pourra continuer comme avant. Anna? À présent, nous allons passer à table. Je vous ai préparé un succulent petit dîner. Voici Madame Steinhoff. Vous vous connaissez déjà? Oui. Je ne suis pas seulement la secrétaire de Monsieur Kelpe, mais également une amie de la famille. Celle qu'on charge d'organiser les réceptions. Ça veut dire qu'elle n'est pas étrangère à la maison. Merci, Isolde.
Bien. Où nous plaçons-nous? La place d'honneur est pour Lona. Qu'est-ce que je viens de vivre? Pouvez-vous me dire ce que je viens de vivre? Une soirée très réussie avec des gens charmants. Nous avons appris qu'ils étaient tous très, très attachés à votre sœur. C'était le thème principal de la soirée. Personne n'a parlé du meurtrier. C'était pas le sujet. Pourtant, il était assis à cette table. Qui? Je crois avoir découvert qui c'est, seulement... ça ne sert à rien. Le tout n'est pas de savoir ce que moi je pense. La seule chose importante dans tout ça, c'est de réussir à le prouver. Allô? Lona, ici Hans Binnert. Je voulais juste savoir si vous étiez bien rentrée chez vous. Oui. Vous voyez, je suis bien rentrée. Je voulais également savoir si vous étiez bien installée dans l'appartement. Oui, rassurez-vous, je suis bien installée, merci. Où dormez-vous, Lona? Je dors dans le lit de ma sœur. Et je pose la tête sur l'oreiller avec lequel elle a été assassinée. Vous êtes toujours là? Mais pourquoi faites-vous ça? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que je peux passer vous voir demain? Oui, venez. Dois-je vous appeler avant? Non, non. Passez quand vous voudrez. Tu étais au téléphone? Oui, je viens d'appeler Lona. Pour quelle raison? Pourquoi l'as-tu appelée à cette heure? Pour savoir où elle dormait. Bon sang, tu n'as pas le droit de faire la moindre erreur. Tout le monde est content que la soirée se soit bien passée. Et toi, tu l'appelles pour savoir où elle dort. Qu'est-ce qui t'arrive, Hans? Tu n'as rien à voir avec tout ça. Ah bon? Je n'ai rien à voir. Bien sûr que si, papa. Toi et moi. Nous tous. Je te le répète, mon fils. Ne commets pas la moindre erreur. Alors, est-ce que la soirée s'est bien passée? Oui. Est-ce que les vins étaient bons? Tout était absolument parfait. Oui, comme toujours avec ces gens-là. Mais dis-moi, c'est la secrétaire qui vous a servi? Oui. Comme elle le dit elle-même, elle fait un peu partie de la famille. Maintenant, je vais te dire les nouveaux éléments que j'ai découverts. La secrétaire a été, ou est encore, Dieu seul le sait, la maîtresse de son patron. J'avoue que je m'en doutais un peu. Oui, c'est moi, Madame Steinhoff. Bonjour, Lona. Est-ce que la soirée d'hier vous a plu? Est-ce qu'elle devait me plaire? Bien sûr qu'elle devait vous plaire. C'était important pour nous tous. Vous l'avez très certainement remarqué. En effet, je l'ai remarqué. Je vous appelle de la part de M. Kelpe. Il veut savoir si vous avez besoin de quelque chose. Il demande si votre sœur vous a donné procuration pour retirer de l'argent sur ses divers comptes. Non, je n'ai aucune procuration sur les comptes de ma sœur. M. Kelpe va faire le nécessaire pour que vous l'ayez immédiatement. Nous voudrions également savoir si vous avez retrouvé les clés de la voiture de votre sœur. Non, je ne les ai pas encore cherchées. Je peux vous garantir que tout sera mis en œuvre pour que vous n'ayez plus aucun souci. Lona, c'est moi. Oui, je voulais vous dire que nous avons tous à cœur de vous faciliter la vie. Comptez sur nous.
Si j'arrive trop tôt, n'hésitez pas à me le dire. Non, 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 vous m'aviez prévenu de votre visite, je vous en prie. Je viens de préparer mon petit déjeuner. Le café est encore chaud. Vous en prenez une tasse avec moi? J'ai déjà pris mon petit déjeuner, mais je prends un café avec vous. Allez vous chercher une tasse? Je suppose que vous connaissez les lieux. Vous preniez le petit déjeuner avec elle? Oui, ça m'est arrivé quelquefois. Et vous sortiez de la chambre à coucher, c'est ça? Oui, ça m'arrivait. Elle portait toujours cette robe de chambre pour prendre son petit déjeuner. Je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que Ruth vous servait votre café? Oui. Donnez-moi votre tasse. Merci. Je vous en prie. Bien, lorsque vous déjeuniez ensemble, est-ce que vous étiez de bonne humeur? De quoi parliez-vous? Je dois vous étonner avec toutes mes questions, mais j'ai appris tellement de choses en deux jours. Je suis désolée qu'on m'ait caché ces choses aussi longtemps. Moi, après tout, c'était ma sœur. J'aimerais en savoir plus. De quoi parliez-vous? De tout ce qui nous passait par la tête. De quoi, par exemple? Comme je vous l'ai dit, nous parlions de tout. Nous avions beaucoup de plaisir à discuter tous les deux. Oh mon Dieu, j'étais déjà tellement blasée que je n'imaginais même pas qu'il puisse m'arriver quelque chose de nouveau. J'ai beaucoup apprécié. Vous avez apprécié quoi? De ne plus être seul. Quand on est souvent seul, on passe son temps à tourner autour de ses problèmes. Comment vous sentez-vous quand vous êtes seul avec vous-même? Ça vous plaît? J'ai eu beaucoup de chance. Tout à coup, j'avais enfin quelqu'un avec qui tout partager. C'était bon de ne plus être seul. Pourquoi ne buvez-vous pas votre café? Ne prenez pas votre petit déjeuner. Non, je n'ai pas faim. Non, restez assis. Je vais m'habiller. Venez me rejoindre. Approchez-vous. Venez, approchez-vous. Asseyez-vous. Dites-moi qui l'a tué. Thank you.
Connaissez-vous cette musique? C'était sa musique préférée avant. Avant quoi? Elle ne voulait plus l'écouter, elle la trouvait trop triste. Alors elle n'était pas telle qu'on me l'a décrite? Si, elle était telle qu'on vous l'a décrite. Mais avant. Plus du tout après. Plus du tout. Oui, j'écoute. Où êtes-vous? Que s'est-il passé? Je sais quelque chose. Je sais que ma sœur était amoureuse du jeune homme qui est venu me voir. Elle était amoureuse de Hans Binnert. Vous êtes sûre de ce que vous dites? Oui, croyez-moi, j'en suis persuadée. Et je crois qu'il l'aimait aussi. C'est intéressant pour vous? Oui, oui, c'est une révélation très intéressante pour moi. Je crois que je vais pouvoir vous dévoiler le nom du meurtrier dès ce soir. C'est moi que vous venez voir? Oui, c'est vous que je viens voir. Mais je vous en prie, entrez. Merci. Vous savez ce que je suis. Je suis une bonne secrétaire. On devient une bonne secrétaire quand on est capable d'apprécier la qualité d'un visiteur. Je vois très vite quand quelqu'un a quelque chose à demander. Et c'est votre cas. Et ça ne vous effraie pas de le savoir? Non, non, je n'ai pas lieu d'avoir peur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je vous écoute. Madame Steinhoff, je ne voudrais pas manquer de tact, seulement... Vous avez été, et vous êtes peut-être encore, la maîtresse de votre patron, n'est-ce pas? Toute secrétaire est également une femme qu'on peut avoir envie d'aimer, ne serait-ce qu'un instant. Mais j'ai su donner à cette relation la valeur qu'elle méritait. Ce qui veut dire que je ne me suis jamais fait d'illusions. Vous connaissez Ruth Winter, elle était également la maîtresse de M. Kelp. Je suppose qu'elle non plus ne se berçait pas d'illusions. Elle a sûrement vécu cette relation comme moi. Ce qui signifie qu'il n'y avait rien de vrai dans la relation qu'elle entretenait avec M. Kelp. Vous avez raison. Mais tout à coup, Ruth Winter a une vraie relation avec quelqu'un. Il s'agit soudain d'une relation qui, disons, a un caractère complètement différent. Lequel? C'était un sentiment réel. Prenons l'exemple d'un être. Non, dans ce cas, il s'agit de deux êtres. Et tout a été bouleversé. Alors ma question est la suivante. Qui cela pouvait-il déranger au point de lui donner un mobile de meurtre? Je sais, bien entendu, qui a pu souffrir au point d'aller jusqu'au meurtre, mais je dois le prouver. Alors j'ai besoin que quelqu'un me le confirme, et c'est pour cette raison que je suis venu vous voir. Pourquoi moi particulièrement? Écoutez, je sais très bien que je vous demande beaucoup, oui. Vous risquez votre place, mais vous pouvez aussi gagner autre chose en échange. Et je gagnerai quoi? Vous gagnerez, comment dire, un sentiment que vous avez perdu, le respect de vous-même. Ne croyez-vous pas que tout le monde le perd un jour dans cette société? Ce soir, j'enverrai quelqu'un vous chercher. Dites-moi... Que signifie ce rendez-vous soudain? Nous n'avons lancé aucune invitation. Madame Steinhoff, qui vous a dit que vous deviez venir? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, Hans? Puis-je savoir de quoi il s'agit? On m'a dit qu'il s'agissait d'une sorte d'assignation à comparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez chercher votre femme, s'il vous plaît. Mais je suis là, inspecteur. Madame Kelp, je vous accuse d'avoir assassiné mademoiselle Ruth Winter. Mais c'est complètement insensé. Mon Dieu, Derrick.
Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Anna. Vous avez sûrement de bonnes raisons pour l'accuser, ou alors des preuves. Vous m'avez vous-même fourni les renseignements utiles en me disant que votre femme savait que Ruth Winter était votre maîtresse et que vous ne preniez que les libertés que vous lui concédiez. J'ai bien réfléchi, vous pouvez l'imaginer, alors je me suis demandé quelle relation vous pouviez avoir avec la bénédiction de votre mari. Et je n'ai pas mis longtemps à le découvrir. Vous entreteniez une relation avec Hans Binert. Et elle était sur le point de se terminer. Je ne vois pas le rapport avec le meurtre. Ce jeune homme n'a joué aucun rôle, aucun. On vous répète à longueur de temps que vous devez prendre votre plaisir à tout prix, qu'il n'y a que ça qui compte. Le plus important est de prendre son plaisir. Celui qui en est incapable est un pauvre malheureux qu'il faut plaindre. Tout le monde le proclame sans cesse haut et fort. Les autres affirment sans cesse, fais en sorte d'avoir plaisir sur plaisir. Tu ne peux être heureux que comme ça. Alors moi, j'ai voulu le croire. Comme la plupart des gens, j'ai fini par me persuader que la personne la plus heureuse est celle qui arrive à ne vivre que pour le plaisir. Moi aussi, j'ai réussi à l'avoir, mon plaisir. Et le dernier, c'est avec lui que je l'ai eu, avec Hans. Nous avons passé de bons moments ensemble, où on ne se préoccupait de rien, hormis du fait de prendre beaucoup de plaisir. Jusqu'à ce que quelque chose se produise. Tout à coup, il n'avait plus de temps à m'accorder. Il m'a dit qu'il s'était passé quelque chose qui allait complètement bouleverser sa vie. Cette phrase n'avait aucun sens pour moi. Il devait d'abord penser au plaisir. Je voulais cet homme et pas un autre. C'est très facile à comprendre. C'était lui. Je ne voulais que lui. Il n'était pas question pour moi d'avoir du plaisir avec un autre. Je n'avais pas envie de le perdre. Je ne voulais pas qu'on me le prenne. Tout le monde avait une clé de l'appartement de Ruth. Vous aviez chacun la vôtre. Alors j'ai pris la tienne, mon chéri. Je suis arrivée et j'ai tranquillement ouvert la porte de l'appartement. Elle était dans sa chambre à coucher. Et elle a dit, tu ne devais pas m'attendre en bas? Mais tu peux entrer. Viens, je t'en prie, je suis encore couchée. Tu peux entrer. Je suis allée dans sa chambre. Et je lui ai dit, ne vous dérangez pas. Ensuite, j'ai pris l'oreiller. Et je l'ai appuyé sur son visage. Je suis restée ainsi jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Et là, j'étais sûre qu'elle ne me volerait plus mon bonheur. Plus jamais. Elle était morte.